Hello, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un produit qui m'a été envoyé et que d'ailleurs vous allez pouvoir vous aussi tester car j'organise un jeu concours. Bonne chance à toutes les modalités, c'est en dessous. Donc moi je n'aime pas me démaquiller, je trouve ça fastidieux et là j'ai testé un produit que je trouve pas mal qui est tout doux, aussi doux d'ailleurs que ce rose. C'est de chez L'Oréal, c'est une crème démaquillante aux fleurs rares, donc c'est de la rose et du jasmin et je le trouve très efficace et assez agréable à utiliser. Donc je le vous présente, déjà c'est un petit pot. Mes doigts sont propres et je vais utiliser donc cette crème. C'est vraiment comme de la crème très onctueuse. Il n'en faut qu'un tout petit peu. Et on l'utilise du bout des doigts. Donc ça laisse un léger film gras sur la peau. C'est normal. Et maintenant avec un coton, je vais enlever le surplus. Donc aujourd'hui, j'avais mis une bébé crème. Donc normalement, on doit le retrouver sur le coton. Ça a bien dissous le mascara. Quand doucement tu te penches, en murmurant c'est dimanche, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours. Mon visage démaquillé, libéré de toute trace de maquillage. C'est plutôt pas mal. Ça sent beau, c'est agréable. Et là, ma peau est parfaitement hydratée. Je pourrais ne rien faire après, mais il conseille à l'arrière du pot d'utiliser le tonique fleur rare. Comme je ne l'ai pas, je vais utiliser mon eau micellaire. Et puis c'est tout. Et vous pouvez tout à fait aussi laisser votre peau telle qu'elle, car elle est parfaitement hydratée. On sent un léger film sur la peau. Donc déjà, je prends un coton qui est tout propre. Et vous allez pouvoir voir qu'il n'y a plus de traces de maquillage sur ma peau. C'est impeccable. Je trouve ce produit efficace, il sent bon, agréable à utiliser. J'ai pas aimé pour autant me démaquiller, mais je trouve que ça ressemble plus à du soin qu'à une contrainte. Efficace, pour moi, c'est la priorité, donc je lui mets un 9 sur 10. C'est économique, il en faut qu'un tout petit peu, et on peut utiliser tout le produit, il n'y aura pas de gâchis comme ça un pot. Il faut bien penser à se laver les mains avant d'utiliser, sinon on risque d'en faire un nid à germes. L'odeur est délicate, agréable, c'est très girly. Franchement, je lui mets vraiment un 9 sur 10, il le mérite haut la main. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est chouette, j'aime bien me démaquiller avec les doigts. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous le faites déjà avec vos produits que vous avez sans avoir forcément ça. Si vous l'avez vu en grande surface et qu'il vous fait envie, voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à commenter la vidéo et si vous l'avez aimé pour me soutenir à mettre des petits pouces en l'air. On va se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à m'y retrouver et à très vite sur YouTube, je vous embrasse fort, salut. Et maintenant j'éteins la lumière parce que je vais vraiment me coucher. Je vous dis à bientôt, salut. Bonne nuit. Mais là, j'étais un peu... Je me suis trompée de bouton. Bonne nuit. Et non. Bonne nuit. On y était presque. On recommence. Bonne nuit. La night. Ça veut pas. Là, ça veut. Bonne nuit.